Paul Frollo. Cette machine est l'instrument de Satan. Allons, allons, dépêchons. Ôtez cette chose de ma vue. Écarte-toi. J'ai le devoir d'arrêter ce voleur. La maison de Dieu est un asile sacré pour tous. Le pouvoir de vos lois s'arrête sur ce seuil. Tôt ou tard, il sera bien obligé de sortir. La cour d'Espagne a envoyé un homme à travers les océans pour découvrir un nouveau monde. Mais notre roi voudrait nous faire admettre qu'il n'y a pas de monde par-delà les murs de cette noble cité. Il taxe notre poisson, notre viande, notre sel. Mais y a-t-il pénurie de victuailles sur les tables du palais royal? Elle va bientôt commencer, qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi de répondre. De la politique déguisée sous l'apparence trompeuse de l'éloquence. Pourquoi n'y a-t-il pas de livres dans Paris à l'exception de ceux de nos églises? Il est doué. Je vais vous le dire. Un polémiste, hein? Parce que l'église, pire que cela, un idéaliste. La même opinion. Je vais lui clouer le bec. À savoir que vous ne devez avoir aucune opinion personnelle. Habitant de Paris, le savoir, c'est le pouvoir. Ne restons pas assis à ne rien faire, révoltons-nous, soulevons-nous tous debout. Paye-toi assis. T'auras tout le temps d'être debout quand tu seras pendu. Car en maintenant le peuple dans l'ignorance. Oh, oui, nous avons un expert en ignorance. Tais-toi, bougre d'idiot, j'enseigne à ces gens la vérité. Les citoyens de Paris n'ont aucun besoin de la vérité. Nous avons besoin de danse, besoin de musique. La Esmeralda. Oui, on a besoin de la Esmeralda. La Esmeralda. Je n'ai jamais vu une si grande beauté, surtout chez une bohémienne.
Comment elle s'appelle? Esmeralda. Esmeralda. Arrivé, le moment est venu pour nous de choisir notre roi. N'oubliez pas que c'est le visage le plus laid qui remporte le concours. C'est vu. Alors, messieurs et mesdames, approchez, montez, montez. Si votre visage est répugnant, grotesque ou simplement raccourci, montrez-le, hein. Si votre visage est révoltant, repoussant, laissez-nous le regarder. Si votre visage ressemble au derrière d'un singe, ça arrive. Laissez-nous en rigoler. Bougre, bougresse, le visage le plus laid, est-ce que ce sera celui-ci? Qu'en êtes-vous? Est-ce que ce visage vous plaît? Comment peuvent-ils regarder une telle chose? Je crois que la laideur est très attirante. Pour certaines personnes, peut-être. Pas pour moi. C'est une simple question de goût. Seigneur. Hé, hey, toi! Approche! Viens ici! Quoi, tu ne veux pas être célèbre? Bien sûr que si! Amenez-le, amenez-le! Allez, oui, c'est bien, on va y arriver. Allez, à la fois, allez, on continue, allez. Parisien, le concours est terminé. Voici votre roi. À vous, les fous. Ah, fait le sonneur de cloche. C'est Quasimodo. C'est le bossu. Le bossu de Notre-Dame. Oui, c'est lui qu'il faut couronner. Oui, qu'il soit le grand roi.
Dodo. Tu es toujours caché là-haut dans ton clocher. Et on savait qu'il était laid, mais on savait pas que c'était aussi dramatique, hein. Oh là. Hé, l'ami, tu as gagné le concours, tu comprends ce que je dis? Nous voulons que tu deviennes le roi des fous. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu acceptes, hein? Qu'est-ce qui se passe? Aurais-tu perdu ta langue? Il est sourd! Le bruit des cloches l'a rendu sourd! Sourd et muet! Alors il devrait être le roi de France? Pas vrai? C'est l'excellent roi! Esmeralda, il n'y a pas un homme à Paris qui n'accepterait avec joie le châtiment capital s'il était délivré par tes mains. Avance, allez. Quasimodo, nous te proclamons roi des fous! Vive Quasimodo! Votre Majesté. Ah, Gauchère, mon Premier ministre. Montez ou vous allez manquer le roi des fous. Sire, savez-vous que l'archidiacre Frollo fait rechercher par la garde royale tous les livres qui sont dans Paris? Quel danger potentiel les livres dissimulent-ils? Ne gâchons pas cette fête des fous. Bon, Frollo est âgé, il est un peu maniaque, à vrai dire. Il ne s'est pas aventuré loin de sa cathédrale depuis une décennie. Ah.
Pourtant, il l'a fait. Quasimodo. Ils t'ont humilié, tous ces gens. N'as-tu aucune fierté? Oh, Quasimodo, ne comprends-tu donc pas? Tu as été touché par Dieu. Il t'a choisi pour aller tout droit à son paradis. Oui. C'est lui qui t'a déposé sur les marches de Notre-Dame il y a bien des années pour te protéger de toute la cruauté de tes semblables et des tentations que représentent les femmes. Donne-moi ça. Aventure-toi encore dans le monde extérieur, et tu le feras sans la permission de Dieu, ni sa protection, ni la mienne. C'est pas assez. Oh que non. La bourse entière. Dépêche-toi, Jali, on doit rentrer à la maison. Trouvez-le vite. Où suis-je? En enfer!
Tu es là où aucun homme respectueux des lois n'est jamais entré. Là où un trop audacieux garde du roi s'est carrément volatilisé en petits morceaux. Tu es dans la cour des miracles. Là où les vagabonds, les prêtres défroqués, les propres à rien de toutes les nations sont des mendiants le jour et des hommes pendant la nuit. Un vaste vestiaire public où la totalité des acteurs de l'éternelle comédie que forme dans les rues de Paris la pratique du vol, de la prostitution et du crime revêtent et enlèvent leur déguisement. Et vous êtes le directeur de ce théâtre fort païen, j'imagine. Le roi, voilà ce que je suis. Vous êtes le roi des Pologne. Oh, non, 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 non. Ici, je suis véritablement roi. Monarque. Pape. Dieu. Et toi, tu es un étranger parmi nous. Hein? C'est bien vrai. Non, non, je suis l'homme qui tentait d'éclairer les nobles citoyens de Paris sur votre triste sort ce matin devant Notre-Dame. Ah, oh, oui, 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 je vois. Tu veux nous aider, hein? Prendre publiquement notre défense. Et qu'est-ce que tu sais de nous, hein? Tu es encore pire que les nobles. Tu es un intellectuel. Eux, ils nous traitent comme du bétail. Et toi, tu fais de nous une de tes grandes causes. Ce n'est pas cela non plus qui garnira notre table. Tu es entré dans le royaume des pauvres, des opprimés, sans avoir été opprimé le moins du monde. La loi que Paris applique aux voleurs que nous sommes, les voleurs que nous sommes te l'appliqueront à toi. Oh! Tu seras pendu. Quoi? Hop, on le fait monter, là. La chaise! Simone! Calme, du calme. Ça va, tu es à l'aise. Fais un clin d'œil. Bien. Écoutez, à mon signal, Simone quittera sa chaise. Et toi, tu quitteras cette terre. Attends. Bouge pas, Simone. N'oublie pas la loi des bohémiens. Elle a raison. La loi des bohémiens. Silence! La loi des bohémiens dit qu'un roi ne peut prendre un homme sans demander d'abord s'il n'y a pas une bohémienne qui veut se marier avec lui. Donc tu épouses soit une voleuse, oui, soit la corde. Et quand on se met la corde au cou, faut être bien monté. Hein? Alors les femmes, y a-t-il une ribaude parmi vous, une jeune sorcière ou une vieille mégère qui veut bien de ce garçon à la langue bien pendue? Prenez-moi, je vous en prie. Un homme à vous sans bourse délier? Il vaut son pesant d'or, qui en veut? Aidez-moi, je serai bon mari, aidez-moi. Pendez-les. Alors, alors, exprimez-vous clairement. Là, pendez-en-le. Trois. Deux fois. Je le prends comme mal. Esmeralda. Tu nous gâches notre plaisir, Esmeralda. J'ai dit que je veux épouser cet homme. Faites-le descendre. Voici celle à qui tu dois la vie sauve. Mon frère, elle est maintenant ta femme. Ma sœur, il est maintenant ton mari. Amen. Je m'appelle Esmeralda. Gringoire. Pierre Gringoire. Les mains sous la flot. Regarde-moi ça. Quoi? Un monstre. Je le sais que c'est un monstre. Il est difforme. Un vrai phénomène de foi. Hé, monstre. Il t'entend pas, il est sourd comme un pot. Monstre. Il est sourd, je te dis. Dis-moi, tu as faim? Il est muet avec ça, mais comment veux-tu qu'il t'entende? Il n'a pas faim. Hé, d'accord, profitez pour manger sa pitance. On aura toujours sa prison de chien. Oui, on va se taper la gueule. Et c'est pas lui qui va me réclamer. Je t'adore, Esmeralda. Tu adores ma cuisine. Non, non, je parle sérieusement. Jali m'adore. Elle vit avec moi depuis le jour de sa naissance. Je crois qu'elle sait ce que je pense. J'aimerais bien savoir ce que tu penses. Je pense que tu aimes cette vie de bohémien. Je ne me plains pas.
Non. Je suis prêt à vivre avec toi comme mari et femme. Ou comme frère et sœur, si tu préfères. Je suis assez philosophe pour peser le pour et le contre et faire la part des choses. La part des choses? Pour maintenir le bon équilibre. Oh, tu es jongleur? Non, désolé, je ne suis pas jongleur. Alors tu dois apprendre. Je vais t'aider. Mais j'ai pas envie. Regarde. Et si tu veux être mon mari, dis-toi bien qu'il te faudra un métier. Mais j'ai déjà un métier. Je suis orateur. Tu seras jongleur. Regarde, c'est très facile. Mais je ne saurais jamais faire ça. Et si, tu peux le faire. Allez, viens essayer. Deux balles dans cette main-ci et une balle dans cette main-là. Tout ce que tu as à faire, c'est lancer et rattraper. Lancer et rattraper. Et aussi, garder les coudes bien serrés le long du corps. Voilà. Oh, non, je n'y arrive pas. Je ne suis pas un jongleur et je n'ai aucune intention de le devenir. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'en avais envie. Entraîne-toi. Le sonneur de Notre-Dame. Don Frollo est son protecteur. Oui, mais ils n'écouteront pas. Il a raison, on ne peut pas du tout intervenir. Oh! Don Frollo, ne pouvez-vous pas arrêter ceci? Aussi. Quasimodo m'a gravement entraîné. C'est trop injuste. Votre Altesse, Votre Altesse, Majesté. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la danseuse. Je vous supplie, Votre Majesté. Faites-la monter. Qu'avez-vous fait, mon enfant? Ce n'est pas pour moi. C'est pour le bossu que je demande pitié. C'est moi, la femme qui l'aurait soi-disant attaqué. Or, il n'a rien fait du tout. Cet homme doit subir le supplice du fouet à cause d'une bohémienne. Quelle a été la décision de la justice, Majesté? Mais il est innocent. Une bohémienne. Nous devons protéger nos citoyens. Cela servira de leçon à ceux qui voudront attaquer une vraie femme. Ah, fort bien. Mais Votre Altesse! Votre Altesse! Le bossu est innocent! Garantie!
au mépris de l'assistance. L'heure est terminée. Elle m'a donné à boire.
Votre Majesté. Votre Éminence. Monsieur le Ministre. Combien de temps s'est écoulé depuis mon couronnement? 10 ans? Vous êtes resté caché durant tout ce temps-là. Votre présence à la cour m'a manqué. C'est dans ce lieu que je me sens le mieux, Votre Majesté. Entre ces murs se trouve tout ce que je peux désirer. Cependant, il ne devrait pas être aussi exceptionnel de vous voir entre ces murs. Ah, très juste. Écoutez, j'ai été fort occupé par les affaires de ce bas monde. Et je savais que je pouvais me reposer sur vous pour les affaires de l'autre monde. Voyons maintenant pourquoi mon premier ministre me demande de descendre ici. Pas l'air si terrible. Son inventeur, l'allemand Gutenberg, l'a appelé la presse imprimée. Ah, les Allemands. Seuls les Allemands pouvaient inventer un engin aussi éminemment condamnable. Condamnable, ce n'est qu'une machine. Fabriquée en enfer. S'il vous plaît, monseigneur. Et cette machine peut renverser un royaume. Votre royaume. Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu? Qu'est-ce que c'est? La première page du livre qu'ils imprimaient quand nous avons saisi cette monstruosité. Liberté. Oui, un appel à la liberté. Qui a qu'à cela? Quelle importance. Avec la presse, tout le monde peut devenir un auteur. Et les opinions de n'importe qui deviennent aussi importantes que celles d'un autre. Voilà ce qui est un danger pour mon roi. Dites le fond de votre pensée. Vous ne visez pas les pamphlets politiques. Vous visez la suppression de la connaissance. Faux! Faux! Monsieur le Premier ministre, vous faites erreur. J'aime la connaissance. Elle est mon catéchisme, la science, le théâtre, l'histoire. La connaissance est le vrai but que poursuit la Sainte Église. Venez, dans notre bibliothèque, nous avons des livres qui ont survécu à l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Des livres qui contiennent un savoir consigné nulle part ailleurs. Des livres, Votre Majesté, écrits par l'homme, par la main de l'homme, et non par une machine. L'imprimerie peut répandre le savoir dans le peuple avec plus de facilité. La facilité. La facilité. Votre Majesté, la facilité n'est qu'un grand piège. Quand l'acquisition de la connaissance deviendra facile, quand l'homme ne sera plus obligé de peiner un an sur un seul volume, quand les gens ne chercheront plus la connaissance dans les bibliothèques de nos cathédrales, quand elle sera dans des livres reliés sur la cheminée de chaque maison, alors elle n'aura plus de valeur. Donc, tout le monde aura des livres, mais ces livres n'auront plus aucune valeur. Quelle plaidoirie passionnée, mon cher. Mais si les cathédrales sont l'écriture du passé, cette presse est l'écriture de notre époque. Et je ne ferai rien pour arrêter son développement. Vous me dites que vous révoquez la promesse solennelle que m'a faite votre père de soutenir l'Église dans sa proscription des ouvrages imprimés. Votre Majesté, si nous ne brisons pas la presse, alors plus rien n'aura la moindre valeur. Je ne crois pas à ces balivernes, et je ferai entrer notre pays dans le 16e siècle. Et je protégerai la France des livres imprimés comme j'ai protégé la France des sorcières, des envoûteurs et des bohémiennes dans le passé. Il n'y a ni sorcières ni envoûteurs en France. Précisément.
Votre Majesté. Monseigneur. Apprendre à marcher comme une dame. Eh bien. Très bien. Ô sainte dame de ce pays, j'implore humblement ton pardon. Un innocent a été torturé à cause de moi. Je peux te donner l'absolution. Esmeralda. Qui est là? Un admirateur. Quelqu'un qui t'a vu danser. C'était pas plus tard qu'hier. J'ai entendu de la musique. Ma fenêtre donnait directement sur le parvis. Et là, j'ai vu une créature qui dansait. Une créature tellement parfaite. Que Dieu lui-même l'aurait préféré à la Vierge, aurait préféré naître de ses entrailles. Et cette créature, c'était toi, mon ange. Que voulez-vous de moi? Ton corps si harmonieux, qui bougeait, selon la musique, a réveillé des émotions. Enterré depuis longtemps, au fond de moi, un sentiment que je croyais disparu pour toujours, de mon pauvre corps. Un sentiment d'amour pour toi. D'amour physique, d'abject désir. Je ne pouvais plus travailler. C'est alors que j'ai compris que tu étais un ange. Oui. Un ange, mais pas un ange de lumière, un ange ténébreux, envoyé par l'enfer afin de me détruire à un moment où mon autorité est directement menacée. J'ai tenté de te bannir de mes pensées, j'ai tenté d'obéir à la volonté de Dieu, mais ton image s'est gravée à l'intérieur de mes paupières comme si... Comme si j'avais contemplé trop longtemps le soleil. C'est alors que j'ai résolu que je devais te posséder. Ou bien me débarrasser de toi. La mort. Vous lisez ?
Don Frollo. Je sais qu'il est tard. Mais il fallait que je termine notre entretien. Mais mes domestiques ne vous ont pas annoncé. Je n'ai vu personne en entrant. Que lisez-vous? Je ne vois pas pourquoi je vous le cacherais. Marsilio Ficino. Ah, je vois. Le philosophe et humaniste italien. Naturellement, vous vous rendez compte que vous enfreignez la loi. Votre loi, monseigneur, que je m'efforcerai d'abroger. Le règne de Louis XI sera le règne du changement. Le monde que vous cherchez à protéger sera bientôt dépassé. Le monde que vous cherchez à établir, vous ne le verrez jamais. Êtes-vous prêt à parier sur cela? Le roi est partisan du changement. Peut-être ne le comprenez-vous pas. Peut-être est-ce vous qui ne comprenez pas. Le roi pourra changer tout ce qu'il voudra. Je voulais dire que vous, vous ne le verriez pas de votre vivant. Monseigneur. Bonne nuit, gaucher. Dieu vous bénisse. Pierre! Pierre! Ah, te voilà, ma douce abeille. Où étais-tu passée? Je dois me cacher. Que se passe-t-il? Il y a des gardes partout et j'ai vu ce frère. Il a un Allons, animal sur sa main. Calme-toi. Les gardes du roi, ils sont en train de rafler toutes nos femmes. Ils détruisent tout ce qu'ils trouvent, même les choses qu'on n'a pas volées. Pourquoi? C'est moi qu'ils veulent. Venez par ici, vite, vite. Allons, dépêchons. Nous, on va détourner leur attention. Vous deux, allez-y, allez. Allons, vite. Arrêtez-les, la voilà. Non! Non, je n'ai rien fait. Non, je vous assure, je n'ai rien fait. Lâchez-moi. Calmez-vous, mon enfant. Il n'y a pas de raison pour que cela devienne désagréable. Je vous en prie. Non! Non! Le premier ministre a été poignardé à mort avec cette arme. Est-ce que cette dague vous appartient? Inutile de nier. Beaucoup de gens vous l'ont vu porter sur la place du... Non, monsieur. Ayez pitié, je suis innocent. Je suis vraiment navré. Je dois accomplir les devoirs de ma fonction. Les brodequins. Non! Non, monsieur, je vous en prie, c'est pas moi, je vous le jure, c'est pas moi. Oh non, je vous en supplie. Ah! Ah! Oh, non! Oh mon Dieu! J'adorais la regarder danser. Comme c'est dommage. Commencez. Non! Oh, arrêtez! Vous avouez? Arrêtez! Vous niez les chefs d'accusation? Oui! Serrez! Ah! Vous niez toujours les chefs d'accusation? Oui! Serrez. Ah! Ah! Je vous en prie, arrêtez! Je vous en supplie! Serrez! Qui est là? Un ami. Oh, Gringoire, c'est toi? Ils disent que j'ai tué un homme. C'est faux. Tu n'es pas blessé. J'arriverai toujours à monter les marches du gibet. Qui est là? Est-ce que tu as peur? Oui. Mais je mérite mon sort. N'aie pas peur. Tu es innocente. Tu n'es coupable de rien. Gringoire, est-ce que c'est toi? Au revoir. Attends! Non, ne t'en va pas, pas encore. Je te délivrerai. Debout, sorcière. Vous allez me lâcher? Que se passe-t-il? De la visite. Laissez-moi voir ma femme. Oh, Gringoire! Oh. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Dès demain, j'irai voir le roi lui-même. Je t'aime, mon amour.
Ne perds pas espoir, ma chérie. Je t'aime. J'irai voir le roi, je te le promets. C'était qui à la lucarne? Corpus Domini Nostri, Jesu Christi. Corpus Domini Nostri, Jesu Christi. Corpus Domini Nostri, Jesu Christi. Tu es bien le corps du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Corpus Domini Nostri Jesu Christi. Avec les déshérités. Je m'agenouille devant vous. Je n'ai commis aucun crime. Emmenez-la. Non! Sous le nom d'Esmeralda, une bohémienne qui vagabonde dans les rues, est condamnée à mourir par pendaison pour avoir assassiné Monsieur Julien Gaucher. À la suite de quoi, son corps restera suspendu à la potence pour 2 jours d'exposition publique. Es-tu prête pour l'absolution, mon enfant? Vous. Veux-tu avouer tes fautes sous le regard de Dieu, afin qu'il puisse guider ton âme jusqu'au ciel? Je peux encore te sauver. Abandonne-toi simplement à moi, à l'Église. Nous t'accorderons le droit d'asile. Et je serai à vous? Oui. Jamais! Elle a refusé l'absolution! Que Dieu ait pitié de ton âme. Tambour!
la bohémienne et Quasimodo. Ceci est la maison de Dieu. Esmeralda. Mangez, mangez. Je ne vais pas rester là. Vous n'aurez pas à voir mon visage difforme pendant que vous mangerez.
Attendez. Attendez, je vous en prie. Attendez. Merci. Vous m'avez fait revenir. Vous êtes brûlé. Laissez-moi les soigner. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Je croyais que vous étiez sourd. Je suis sourd. Vous devez vous dire que c'est un comble, n'est-ce pas? Oh oui. Être contrefait à ce point et sourd en même temps, c'est vraiment horrible. Ah non, non, c'est pas ce que je pense. Je suis complètement sourd. De toute façon, je saurai comprendre ce que vous me dites grâce au mouvement que font vos lèvres et que font vos yeux. Dites-moi, pourquoi m'avez-vous sauvé du gibet? Vous me demandez pourquoi je vous ai sauvé, hein? Vous voyez, vous avez déjà oublié le pauvre diable. Attaché sur cet infâme pilori. Vous m'avez désaltéré et donné votre compassion. Et pour moins que cela, je serais prêt à sacrifier ma vie. Vous m'aviez oublié, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas oublié. Venez, regardez, regardez! Tous ces gens, là en bas. Tous ces gens minuscules. Ils étaient prêts à vous tuer. Et ils vous tueront si vous sortez de la cathédrale. Ce que vous faites ne sert à rien. Le roi les forcera à me livrer à ses hommes. Cela équivaudrait à me tuer. Regardez. Regardez. C'est haut. C'est haut. Les tours de Notre-Dame sont très, très hautes. Si un homme tombait de cette hauteur, il serait mort avant même d'avoir atteint le sol. Quand vous voudrez que je tombe, vous n'aurez pas à prononcer un seul mot. Un regard suffira. Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas que vous souffriez, jamais. Merci. Merci. Sachez bien qu'ici vous serez en sûreté. Regardez, regardez, là-haut. Regardez. Oh, mes amis. Oh, mes chéris. Par ici. Venez, venez. Regardez, regardez. Homer, Euclide, Dante, oh, la grande Marie. Elle est la mère de toutes les autres. C'est elle qui m'a rendu sourd. Je les entends, mes amis. Vous voulez que je les fasse sonner pour vous? Arrêtez!
Qu'est-ce que vous en dites? Magnifique. Merci. Pourquoi... pourquoi vous a-t-on appelé la Esmeralda? C'est mon nom. Ah. Et que signifie ce mot? Émeraude. Oh. Et que signifie Quasimodo, dites-moi? Presque humain. Non. Et moi qui fais cette plaisanterie. Ce nom vient du jour où Don Frollo m'a adopté, il y a plus de 20 ans. Quasimodo est le nom du premier dimanche après Pâques. Le premier dimanche. Vos parents sont encore en vie? Non. Ils ne vous manquent pas? Je ne les ai jamais connus. Ma chèvre me manque, par contre. Mes parents sont comme un vieux rêve. Mes parents, à moi, je ne les ai pas connus non plus. Ils n'étaient pas aveugles, mais juste incapables de m'aimer. Ils m'ont déposé sur les marches de la cathédrale, croyant que j'allais y mourir. Don Frollo n'était alors que vicaire, pas encore archidiacre. C'est lui qui m'a dérobé à la vue des passants. De cela, je lui suis reconnaissant. Les livres qui sont en bas dans la bibliothèque sont devenus mes seules fréquentations. Je les ai tous lus l'un après l'autre. Grâce à leur compagnie, aujourd'hui, j'ai de nombreux amis. Ils vont de Cicéron jusqu'au père de l'Église. Ils m'ont appris la scolastique, la poétique, la rythmique et même l'hermétique. Cette sagesse plus haute, il me semble, que toutes les autres. Pour tout vous dire, j'écris un livre. Il va comporter au moins 600 pages quand je l'aurai terminé. Je n'ai encore jamais vu de livre. Oh. Qu'est-ce que ça raconte? Je ne sais pas lire. C'est du latin. Les vies parallèles de Plutarque. C'était vous à la lucarne de ma cellule. Oui. Jamais je n'ai vu ma laideur comme je la vois maintenant. Quand je me compare à vous, j'ai bien pitié de moi, de ce pauvre et malheureux monstre que je suis. Vous êtes un rayon de soleil, une goutte de rosée, le chant d'un oiseau. Alors que moi, je suis quelque chose d'affreux, de repoussant. Et qui n'appelle que la haine et les railleries. Je ne suis pas une bête sauvage. Je ne suis pas un animal. Je suis à peu près aussi sain d'esprit qu'un habitant de la Lune. Ah,
Venez. Venez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Tout ira bien. Si vous ne bougez pas d'ici, vous n'avez rien à craindre. Personne ne peut entrer ici. C'est impossible. Si vous avez peur, tirez la corde. J'entends la cloche quand elle sonne. Espèce de monstre. Allez, avance. Mais avance donc. Mais tu vas te remuer un peu. Tu vas maintenant faire face à notre justice, à nous. Et redresse la tête maintenant. On est dans les environs. Ça suffit, reculé. Il a aidé Smeralda. C'est vous l'orateur? Non, c'est lui. Mais très juste, je suis l'orateur. Comment va-t-elle? Très bien. Elle vous réclame. Qu'est-ce que c'est que ça? Le pouvoir au peuple de Paris. Lisez vite, s'il vous plaît. Parisiens, chaque jour, de pauvres innocents disparaissent. Certains meurent sur le gibet, d'autres sont enterrés vivants dans des cachots. Oui. C'est vous qui avez écrit ça? C'est moi. Moi. Hey, n'y a-t-il rien que nous puissions vous donner? Oh, si. Sa chèvre. Oui. Merci. Merci. Allez, viens. Allez, on s'en va. En route. Mon cher Clopin. Allez, Quasimodo, viens. L'espoir. Allez. Ces pamphlets sont maintenant distribués par des brigands, des artistes et des étudiants dans tout Paris. C'est le produit d'une presse imprimée, sire. Il y en a une qui vous a échappé. Oui. Oui, je ne suis pas parfait. Jetez un coup d'œil au dehors. Paris est déchiré en deux camps opposés. Les gens du peuple veulent que j'accorde mon pardon à la bohémienne. Et mes amis, les nobles, demandent justice. Ils voudraient que je suspende le droit d'asile. Non, ne le faites pas. Ce serait un épouvantable précédent. Elle a tué mon premier ministre. Votre Majesté, Gauchère et moi n'étions pas du même avis. Cependant, vous pouvez me croire. Je souhaite plus que tout au monde que cette femme soit punie. Je vais continuer à proscrire les livres imprimés, ainsi que les presses nécessaires à leur fabrication. Dieu vous bénisse. J'étais sûr que vous me comprendriez. Je trouverai les personnes responsables de ce pamphlet. Et elles auront affaire à moi. Éminence, quelle conduite dois-je adopter à l'égard de cette bohémienne? Préparez-vous à lui administrer son châtiment demain matin. Mais la loi du droit d'asile... Dis simplement que vous ne pouvez pas l'expulser d'un lieu saint. Esmeralda! Esmeralda! Sois sage.
Esmeralda! 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 Approche, Quasimodo. Mon père, où est la bohémienne? Où est-elle? Tu t'es servi de la presse. Il le fallait. Tu as enfreint la loi. Il le fallait. Elle est innocente. Où est-elle? Tu as enfreint mon commandement le plus sacré. Où est Esmeralda? Où est-elle? Au chemin vers la potence. Vous l'avez livré au roi. Pourquoi? Pour qu'elle soit punie. Elle est innocente. C'est une créature néfaste. Non. Et des profondis clama bien. Quasimodo, elle a causé la mort de Gaucher. C'est elle qui m'a poussé à le tuer. Cette folie dans mon corps, c'est elle qui l'a fait naître. Elle a fait de moi un meurtrier. Et pour cela, elle doit mourir. Elle doit mourir pour votre crime. N'avez-vous pas de pitié? De la pitié? De la pitié? Oh, Quasimodo, aie pitié de moi. Être un homme de Dieu, aimer une femme, et l'aimer plus que Dieu, l'aimer avec toute la furie de mon âme, et sentir que je donnerais même mon sang, ma réputation, le salut de mon âme, mon immortalité, mon éternité, pour un seul de ses sourires, et savoir que je n'ai à lui offrir. Avoir son image à l'esprit, nuit et jour, et la voir tomber amoureuse d'un autre, et voir ce corps splendide dont les formes vous embrassent, et cette poitrine avec toute sa douceur, sa chair ferme, et qui palpite et rougit sous les baisers de quelqu'un d'autre. Sais-tu quelle torture un homme peut endurer tout au long des nuits parce que son cœur déborde? Pourquoi croyez-vous que je ne sais pas ces choses? Votre quête de la lumière vous a-t-elle fait aveugle? Cette créature a réduit à néant mes efforts et mes vœux de religion. Elle s'est mise entre Dieu et moi. Elle a démontré je n'ai réussi qu'à gâcher toute ma vie. Et
que je n'étais pas vraiment digne du service de Dieu. Aie pitié de moi, Quasimodo. Vous êtes bien à plaindre, mais je n'éprouve pas de pitié pour vous. Vous n'êtes pas Saint Augustin. Vous vivez un tourment que vous vous infligez vous-même et qui ne s'achèvera que par votre décision. Nous allons raconter tout cela devant le tribunal. Non ! Je vais me débarrasser d'elle. Elle mourra ! Elle mourra ! Elle mourra ! Elle t'a maudit, toi aussi. Elle a fait de nous deux des meurtriers. Pauvre fou, est-ce que tu crois qu'elle pourrait t'aimer un jour? Mon père, je ne suis pas ton père. Ton père a été plus avisé que moi. Il t'a abandonné. Il voulait que tu meures. C'est moi qui t'ai permis de vivre. Tu n'es qu'un monstre. Je ne suis pas un monstre. Que chacun sache que cette femme... Que se passe-t-il? Les mendiants vont attaquer le palais. Ils sont dans la rue par centaines. Le peuple qui ose se révolter contre le verdict. Le peuple de Paris est venu la sauver de tous ces nobles qui veulent la pendre. Vous me donnez des ordres? Qui êtes-vous? Je suis Maître Clopin, le roi de Paris. Sire, sire, mon roi. Et vous, qui êtes-vous? Sire, la bohémienne est innocente. Si elle est innocente, qui donc est le vrai meurtrier? Parisien! Dites-le. Jamais. Jamais. Dites que vous l'avez tué. Cette fille mourra avec moi. Vous... mourrez sans avoir été absous de vos péchés.
Je vous en prie. Ah, dites la vérité. Je vous en prie, mon père. Dites la vérité. Le meurtrier, c'était moi. Oui, c'était lui. Assassin. Dans Freud. Merci, mon père. Peuple de Paris, laissez cette bohémienne s'approcher de moi. Enfin, je vous crois. Vous êtes pardonné. Parisien, elle est libre, on a gagné! Alors, tu me pardonnes à présent? Oui. Je n'ai pas le choix. Je dois m'en débarrasser. Quasimodo! Quasimodo! La vie s'en va de moi. Je suis touché profondément. Ici.
Pourquoi n'ai-je pas été fait de pierre comme cette cathédrale? Adieu, Marie. Vos amis les cloches chanteront pour vous.